Prière du mardi. Mes bien-aimés, cette prière va nous accompagner tout au long de cette journée. Que la bénédiction que notre Seigneur Jésus-Christ a faite lorsqu'il consacra le pain et le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps qui sera livré pour la rémission de tous les péchés, soit toujours avec moi. » Pauvre pécheur, ainsi soit-il. Que la bénédiction des saints anges, archanges, vertus, puissances, trônes, dominations, principautés, chérubins et chérifins soit toujours avec moi. Ainsi soit-il. Que la bénédiction des patriarches, prophètes, apôtres, martyrs, confesseurs et de tous les saints de Dieu soit toujours avec moi. Ainsi soit-il. Que la bénédiction de tous les cieux de Dieu soit toujours avec moi. Que la majesté de Dieu Tout-Puissant me soutienne et me protège. Que sa bonté éternelle me conduise. Que sa charité sans borne m'enflamme. Que la puissance du Père me conserve. Que la sagesse du Fils me vivifie, que la vertu du Saint-Esprit soit toujours entre moi et mes ennemis, tant visibles qu'invisibles, ainsi soit-il. Puissance du Père, fortifie-moi, sagesse du Fils, éclairez-moi, consolation du Saint-Esprit, consolez-moi. Le Père est la paix, le Fils est la vie. Le Saint-Esprit est le remède, la consolation et le salut. Que la divinité de Dieu me bénisse, que ma piété m'échauffe, que son amour me dévore. Ainsi soit-il. Bien-aimés, vous pouvez terminer cette prière en faisant un autre Père. Ainsi, vous aurez confié la journée à l'Esprit-Saint. Une fois de plus encore, que l'Esprit-Saint puisse nous guider tout au long de cette journée. Amen.